Alors là, nous sommes en train de découper la toute première maquette prototype du boîtier pour l'Apple One, pour le projet Pom One. C'est une maquette au 1/3 d'un gros boîtier en plexi. Et comme le plexi coûte cher, on le découpe dans du MDF. Et le MDF, ben, il brûle un petit peu avec le laser. On voit bien le laser découpé. Et je suis en train de découper mon boîtier. On va voir ce que ça donne. Il y en a pour quelques minutes. Ça fait pas mal de fumée. On voit la bête, la machine, c'est ça. Ça, c'est la machine. Laser cut. On voit le programme qui pilote. J'ai le dessin de ma découpe de mon boîtier avec mes encoches. Le bouton start. Et on regarde aussi que ça fait de la fumée. Et cette fumée, elle part avec un ventilateur. Et on envoie tout ça dehors. Et on ne voit pas la fumée ici. La vitre est tellement dégueulasse. Mais oui, voilà, on voit bien la fumée qui descend. On voit là. Donc on a une belle fumée de cheminée. Ça sent comme si on était au feu de bois. Hein. Je confirme. Voilà, on attend ce que ça donne. C'est quand même... C'est impressionnant. Voilà, alors là, on arrive à la fin du boîtier. Il a presque terminé. Voilà, on n'a pas filmé pendant tout le temps, pas ça. Et ça a pris 6 minutes 50. Voilà, donc on est 52. On va voir quand il va revenir à la maison. 7 minutes grosso modo, je pense. Ouais, il fait encore son encoche, la dernière encoche. En montée, exact. Un petit peu plus de 7 minutes, effectivement. Ouais. Là, il a encore le contour là-bas au fond. Et voilà. Voilà. Il a terminé. On attend que toute la fumée soit loin parce que ça pue. On va ouvrir. Ah, il y a encore de la fumée et on admire le chef-d'œuvre. Voilà, on voit la maquette ou 1/3 du boîtier pour moi. Le clavier, il est là. Ça, c'est la partie du clavier. Et ça, c'est le truc où c'est marqué Apple qui va venir se positionner là-bas derrière. Ok, bon, prochain, c'est le montage.